Et bébé, niveau magie, c'est pas la joie les gens. Et donc, salut à toutes et à tous, c'est VicNin76Game et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 14 de The Legend of Zelda de Wind Waker HD. Et dans cet épisode, c'est un épisode assez spécial parce que cet épisode est quand même symbolique dans tout le jeu de Legend of Zelda de Wind Waker HD. Mais bon, on va sonner la cloche et on s'apprête à la cinématique, donc je ne parle pas beaucoup pour l'instant. Sonnez la cloche, les gens. Bam. La vidéo commence. Bravo, Link. Les dieux t'ont reconnu comme étant le héros. Mais tes épreuves ne se terminent pas ici. Tes vraies épreuves commenceront quand tu entreras dans le monde qui s'ouvre au-delà de cet anneau de lumière. Tu es bien résolu, Link? Ouais. Je tiens ma respiration plus longtemps que toi. J'ai gagné. C'est beau. Un château sous la mer. C'est grandiose. Tu te demandes certainement où nous sommes, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de l'expliquer maintenant. Une fois que tu auras affronté Ganon à l'aide de ce que tu trouveras dans ce château, tout deviendra enfin clair dans ton esprit. Fais-moi confiance et entre vite dans le château. Pas de problème, mais le temps s'est arrêté ou c'est moi? Ah oui, le temps s'est arrêté, sauf autour du bateau, bien sûr. L'eau ici bouge. Elle bouge encore, cette eau. On peut entrer dedans. Quelle logique. Je parie que cette eau là-bas, on ne peut même pas la passer. Ah si. Et pourtant, elle arrive à nous repousser alors que... il ne se passe rien. Bah, well. Je vais rien dire. Bon, qu'allons-nous trouver dans ce château? Moi, je le sais, mais vous, est-ce que vous le savez? Oui, de belles têtes. Une superbe statue. D'ailleurs, ça fait un peu penser à A Link Between Worlds, cette statue. Enfin, le design, bien sûr. Ouh, Zelda. Ouais, ça me fait penser à A Link Between Worlds et A Link to the Past. Hey mec, Brofest? Brofest. Aïe, aïe, aïe. Ouh, par contre, c'est très joli. Franchement, regardez. Ces chevaux avec... Attends, c'est des chevaux ou des lions? C'est lions, pardon. Avec les épées, c'est juste magnifique. J'adore et j'adorerai toujours le design de ce château. Ah, pour l'instant, je vais pas spoiler quel château c'est, mais beaucoup le savent de quel château il s'agit. Mais bon... Il m'a fait peur. Je me disais pourquoi j'arrivais pas à avancer, mais bon... Ouais, c'est quand même très, 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 très beau. Toujours... magnifique ce château, surtout avec la statue de l'ancien héros, Link, on pourrait dire ça. Ah, et le bouclier, toujours aussi magnifique d'ailleurs, c'est pas le même il semble. Non, c'est pas le même, normalement ça devrait être le même bouclier. Enfin, d'après ce que disent les grands-parents et la coutume des îles, etc. etc. Bon, allez Link, il va falloir te creuser un peu la tête. Pour trouver ce que tu cherches, tu vas devoir découvrir l'entrée qui permet d'accéder au sous-sol de ce château.
Mais pour qu'aucun ennemi ne puisse pénétrer au sous-sol, cette entrée est fermée par une lourde porte. Par une lourde de porte, je veux dire Stella. Sais-tu où se trouve la porte et comment l'ouvrir? L'indice que tu cherches se trouve dans ce château. Et il a la forme d'un blason. Blason, ok, c'est parti. Il est juste derrière moi. Hein. Hop là. Tranquillement, on va se le faire. Cette énigme est rapide de toute manière. Il n'y a pas vraiment mort d'homme pour la faire. Hop là. Voilà. Par contre, une fois, il me semble que j'ai réussi à me prendre des dégâts avec ces stèles, enfin ces blocs, mais je ne sais plus comment. Et franchement, la manière dont j'ai dû me prendre ces dégâts, ça devait être complètement fait par un bug. Mais enfin, hop là, je suis bloqué, au secours, sortez-moi de là. C'était logique que l'entrée se trouvait sous la statue. Bon. Que peut-il se trouver ici? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ici? Voyons ça tout de suite. Alors, déjà, on voit déjà qu'il y a une lumière au loin. Donc, on se doute de ce que c'est. Personnellement, je vais fermer ma grande bouche à partir de là. Et on va pouvoir aller voir ce que c'est. Allez, hop. Bravo, Link. Seul un homme de valeur pouvait triompher de cette énigme. Non, prends donc l'épée qui se trouve devant toi. Il s'agit de l'épée de légende. L'épée qui lutte contre les forces maléfiques. Elle devrait débarrasser enfin la terre de Ganondorf. Pas de problème. Magnifique. 1, 2, 3, soleil. Vous avez tous bougé, vous avez tous perdu. Vous obtenez l'épée de légende. Il s'agit de l'épée légendaire du héros du temps, qui a le pouvoir de repousser le mal. Avant, elle s'appelait Excalibur. Je crois. Sur la version GameCube, il me semble qu'il l'avait nommée Excalibur. À moins que je me trompe, veuillez me corriger, bien sûr. Ah, et ça, c'est... Comment on appelle ça? C'est vitraux, je vais appeler ça, parce que je vois pas vraiment comment appeler ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, je vous fais un peu le tour les gens parce que c'est vraiment n'importe quoi. Donc là la princesse Ruto, là je sais plus comment il s'appelle lui. En tout cas c'est le sage de la lumière il me semble. Saria, des bois défendus bien sûr. Un sage de la forêt. Ganon avec à l'époque d'Ocarina of Time bien sûr. On reconnaît ses deux épées sur les côtés, sa queue derrière et ses énormes cornes. Et aussi parce que il y a la Triforce au-dessus. Mais lui, c'est pas un sage, c'est un méchant, hein, bien sûr, hein, Ganondorf. Donc lui, Darunia, d'Ocarina of Time, toujours, les Gorons. Impa, du peuple... Sheka, voilà, je cherchais. Et toi, je ne m'en souviens plus... Mince, en plus, t'es le bras droit de Ganondorf, d'après ce que disent les autres.
Naburo, je crois, ou quelque chose du genre. Ah bref, je me souviens plus. Bon, je me souviens plus des noms, mais en tout cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Plus qu'à aller combattre... Enfin, il ne me reste plus qu'à aller combattre tous ces fumiers qui sont revenus là-haut. Ah, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau! Ah, franchement, je regrette pas ce petit remake. Il est très bien fait, les couleurs sont super bien... ont été très bien refaites. Par contre, le Darknet qui est derrière moi, je vais peut-être un peu avoir de mal... Enfin, pas avoir de mal, mais... Il va peut-être un peu m'énerver. Allez. Non, c'est pas ce qui était prévu, mais on s'en fiche. Non, mais je suis juste à côté. Oh, oh. Ah, pas trop tôt. Ah, d'accord, je me disais pourquoi il n'arrivait pas à prendre son épée, en fait. Ah, si, au final, il va la prendre. Allez, fais vite. Voilà, on peut lui prendre maintenant son blason d'épéiste. Et on l'achève. Il est passé par-dessus le... la barrière. Bon. Oula, là ça va être difficile, mais on va tenter. Oh! Bah si, il se tue tout seul, je veux bien, mais... Oh la triple, oula. Pas facile, mais on va s'en sortir. Oula, en plus j'en ai un autre là. Toi, ton blason d'épéiste, à moi. À moi, j'ai dit. Ah, oh, 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 mes cœurs. Bon, lui, ça s'est fait. Et toi? Ah, bah, voilà. Elle approche. On va te finir. Et voilà. Blason des pays, s'il vous plaît. Merci. Des flèches. Ça va faire plaisir. Bon. Brandir, et c'est quoi déjà jeter CB? Ok. Ouh, j'ai bien visé. Ah mince, lui, j'avais pas piqué. Ah, il m'a pas lâché le collier. Ah, le collier macabre. Ça m'énerve. J'aurais dû essayer de la choper, allez. Que des exclamatifs, ça c'est bueno. Par contre, je me suis un peu tout fait, j'ai l'impression, donc... au final, ça a été rapide. Putain, j'aurais été en extrême, enfin, en mode héros avec Only Tree Heart, j'aurais morflé, punaise. Vas-y, hop là. Maintenant, récupérons. Attention, 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 on va faire attention. Ils sont tellement bêtes aussi dans ce château, c'est juste abusé. Oh. Fuck it. Putain, les ennemis, ils vous voient plus dès que ça les arrange, c'est... Ah, ça c'est un truc du jeu qui m'énerve, franchement. Aïe, il me semble même que sur GameCube, c'était beaucoup mieux. Mais quand je dis beaucoup mieux, c'est vraiment beaucoup mieux. Bon, ce Darknet, je vais pas pouvoir me le faire, je suppose. On va se tenter. Ah, raté. Hop. Tu n'as plus d'équipement. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne me voit toujours pas. Mais non. Parce qu'il a le casque en même temps. Wow. Et voilà. Maintenant, donne-moi ton blason d'épéiste. Voilà. Et maintenant...
on en finit. Bon, ça c'est fait. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Bon. On ramasse toujours les rubis, les bombes, tout ça, ça fait plaisir. Les flèches, je suis à fond, mais bon, ça, c'est pas important. Mais il y a du combat dans cet épisode, hein. Bon, toi. Ça c'est fait. Et toi aussi. Bon. Lui il me lâche des flèches, ok. Il y a rien dans les pots, toujours rien. Maintenant, on s'est occupé de l'étage du bas, maintenant l'étage du haut. Là, j'ai envie de leur balancer un pont dans la figure. Pouh, je vais faire. Mais pas pour le Dark Nut, hein, parce que ça marchera pas. Oh, quoique, on peut tenter. Ah, fuck, ça a pas marché. Tu ne me vois plus. Tu ne me vois absolument plus. Hop, je suis caché. C'est comme ça que ça marche en même temps. Oh, non, ce jeu. Oh. Bon, pas grave, allez. Maintenant, ton blason, et on en finit. Je prends ton épée. Vraiment honteux. Vraiment honteux. Ah, la vision des ennemis est vraiment honteuse, les gens. Ah, je rage dessus, mais elle est honteuse. Allez. Toi, t'es mort, y a pas de problème avec ça. Ouh, des bombes. Non, n'empêche, c'est toujours aussi beau. Ouah. C'est beau, surtout quand c'est illuminé. Surtout quand c'est doré aussi. Hop. Bon, eux, je me les fais. Double shot. Bon, allez. On prend leur truc parce que sinon, ils vont faire la gueule. Mais, hein, y a pas beaucoup d'action. Enfin, y a de l'action dans cet épisode, mais. Je suis un peu déçu des hitbox en fait. Au début, ça a été cool, ils ont fait une bonne hitbox, on pouvait faire plein de trucs. Mais je suis quand même déçu. Quand je dis par exemple que la hitbox. Enfin, pas la hitbox, la vision des ennemis, pardon, excusez-moi. La vision des ennemis au début, quand on était en bas, elle était superbe, tous les ennemis m'avaient aggro limite. Mais là, je suis déçu, punaise. La moitié des ennemis m'ont pas vu. Ça c'est. Pourtant j'étais juste à côté d'eux. C'est ça qui est vraiment énervant. Mais enfin. En tout cas, dans ce bout d'histoire, on aura récupéré l'épée de légende, Excalibur. N'est-ce pas? Je parle de ça avec certaines personnes qui m'énervent avec ce sujet. Excalibur ou l'autre. Enfin, ou l'épée de légende. C'est épée de légende et vous faites pas chier. Voilà. Enfin. Maintenant. Il ne nous reste plus qu'à aller directement à la forteresse maudite, les gens, parce que rendez-vous là-bas, hein, c'est un peu le but. Mais avant ça, la forteresse maudite, là, je vais me faire peut-être une grosse, mais alors là, une grosse partie quête annexe. Juste après cet épisode, je fais de la quête annexe, mais je vais en bouffer. Voir même si je vais pas vous en couper, faire... Et... Ah! Bah pour finir cet épisode, je sais où aller. Je sais très bien où aller. Ça va nous avancer grandement pour pouvoir faire les quêtes annexes. Par contre, ouais, il faudra que j'aille par là. Donc. Je dois vérifier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en fait où tu peux trouver ce genre de truc. Enfin, si, il y en a, mais. L'île triangulaire, par exemple, tu peux le trouver, mais. Je sais plus vraiment. C'est sur quelle île triangulaire. Donc, je vais aller à un endroit où je suis sûr de le trouver. Ce que je cherche, bien sûr, parce que ça va nous aider grandement à nous déplacer pour ce
qui connaissent le jeu, vous savez de quoi je parle. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais rien dire pour l'instant parce que c'est vraiment un truc un peu spécial. Par contre, toi, tu vas pas m'échapper. Je vais vraiment te donner à bouffer parce que là, j'ai vraiment besoin de compléter la carte. Hein. Et ça se voit. Voilà. Coucou toi, allez donne-moi des infos sur la carte et des informations sur les environs. Ce sera vraiment très bien. D'ailleurs, comment il s'appelle ce poisson? Salut petit gars, je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte. Et ouais, allez c'est parti. Donne-moi des infos et complète ma carte. Qui est entre guillemets un peu complétée sur ma carte. Mais bon, attends, où est-ce que je suis? Je regarde s'il n'y a pas des trucs intéressants les gens. Tu connais le marchand de mercantile, non? Il paraît qu'il possède un coffre-fort dans sa boutique et qu'un voleur a essayé de le forcer. Si j'étais à la place du marchand, j'essaierais de prendre le voleur sur le fait. Mais ce sont ses économies, après tout. Et le voleur ne se laisserait peut-être pas faire. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger! Adieu. Voilà, bon. On est sur quelle île? On est sur celle-là. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant sur cette île? Donc on est à la case 4, et il y a un sous-marin qui se balade pas loin, apparemment. À vérifier. Je fais juste un peu le tour de l'île, je regarde s'il y a un sous-marin là-bas, je crois. Je crois l'avoir grillé. Et d'ailleurs, il y a des poulpes. Il y a des poulpitos qui sont là. Donc je sais pas si je suis allé ici. Ça reste à vérifier. En tout cas, ici, je peux récupérer des pendentifs du bonheur. Et ça, c'est une bonne chose. Par contre, au cœur, j'ai quoi? Est-ce que j'ai des fées? Ouais, j'ai une fée et j'ai la potion. Bah tiens, on va pas se priver. Potion. Et en plus, comme on a Excalibur. Ça y est, j'ai pris l'habitude de l'ancien Windwalker. Comme on a l'épée de légende, ça va nous avancer. Bon. Est-ce que je... Non, j'ai pas réussi ici. Bon. Ah, et en plus, c'est une carte qui se trouve là. C'est intéressant. Ah, je t'ai piqué les fesses. Ah, mes fesses. Ah, bah ça a été rapide comme combat. Ah, ok, tu m'en sors un autre. Bah, tant mieux, ça me fait des colliers macrabes en plus. Ah bah oui, les combats, ils sont largement plus rapides, j'ai l'impression. Ah. Il va m'en sortir combien? Oh les mecs, vous venez de faire une partie? Oh mais merde, ils sont morts. Toi qui es-tu? Je suis Link, je vais te tuer. Voilà, ça c'est fait. Au même endroit que mon ancien partenaire d'ailleurs. Enfin, à peu de choses près. Voilà, le combat il était pas compliqué. Voilà, et toi là-bas, on va te prendre. Bah, en même temps, ça fait partie un peu des quêtes annexes que je suis en train de faire donc. Ah, ça m'avancera pour l'épisode prochain, on va dire. Enfin! Hop! Que se trouve? Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Intéressant. Est-ce que ce sera une carte de... Ah, un quart de cœur, c'est toujours bon à prendre. Donc, combien de cartes de cœur j'ai d'ailleurs au passage? Ah non, c'est dans objet. Non, merci. Ah, mince. Pas ça, c'est ça. Ah, j'ai qu'un seul. C'est mauvais, ça. Faudra que je regarde un peu. Faudra que j'aille les chercher, d'ailleurs, parce que là, on risque d'en avoir besoin, mais un peu beaucoup. Beaucoup, beaucoup même de cœur. Enfin, redirigeons-nous vers notre objectif. J'ai envie de vous dire, les gens. Alors, il y a une carte au trésor ici aussi, apparemment. Mais cette carte au trésor ne m'intéresse pas pour l'instant, peut-être. Enfin, ça reste à voir. Mais en tout cas, comme c'est le 100% que je suis en train de faire, ça va nous servir au bout d'un moment. Donc, oui, c'est toujours par là qu'il faut aller. Donc, prochaine île, une carte au trésor. Aïe. Je me dirige un peu plus au nord alors. Voyons voir, où est-ce qu'il faut que je me dirige? En tout cas, il faut que je me dirige là, les gens. Ça, c'est sûr. Attendez, prochaine île, il y a un quart de cœur. L'île juste au sud de ce même quart. Enfin, l'île juste au sud de mon objectif a trois quarts de cœur par contre, avec une carte au trésor qui contient. Enfin, un coffre au trésor qui contient un quart de cœur. Oui, je suis bien informé. J'ai une bonne carte sous les yeux. C'est une carte qui fait 7 cm de longueur, 7 cm de largeur. On va pas se plaindre. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ouais. Je fais 1 cm par 1 cm, c'est ça. 7 cm de longueur sur 7 cm de largeur. Ah, mon enfin. Ah, mais espèce de poisson, là. Enfin, le requin, le... Je sais pas comment... Hop. Oh, mince. Je crois qu'il allait vraiment m'attaquer cette fois, pour une fois. De base, ils visent mal. Et ils viseront toujours mal, apparemment. Ça n'a pas changé. Oh, ce coucher de soleil sur... l'île, je ne sais plus quoi. Mince. J'ai le nom de l'île sous la langue. Ah, la voilà. Cette tornade. La tornade. Oula, par contre, je prends ça parce que j'en ai pas vu depuis le début de l'épisode. Et ça me manque. Bon, qu'est-ce qu'il y a écrit avant qu'on aille? Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je sais plus. Il y a un truc qui disait libérez-nous du mal, etc., etc. Mais je m'en souviens plus. Enfin bref. J'allais dire une connerie à la fin de tout ça. Mais voilà, comme je connais plus mon texte, c'est con. J'ai un rire plus démoniaque que toi. Cesse d'importuner les dieux pitoyables, être humain. Ou les tornades du furieux Cyclose vous enverront à l'autre bout des mers. Tu vois cet arc? Au revoir. Un peu plus à gauche, Link. Un peu plus à gauche. Et voilà. Normalement, il devait y avoir une flèche qui devait passer, mais bon, comme il était encore invincible sur ce moment-là, on peut laisser passer ça. Eh bien, tu es habile, dis-moi. Jusqu'ici, personne n'avait résisté à ma force. J'ai vu que tu savais contrôler le vent. Alors, peux-tu utiliser ceci? Généralement, si je peux me prendre une flèche dans les fesses, je serai toujours en colère, personnellement. Enfin, c'est sa manière de se calmer. Et sadomaso, ce type, j'ai envie de vous dire, mais bon. Enfin, cette grenouille. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça une grenouille ou... Bref, bravo. Mes tornades auront plaisir à être au service d'un maître du vent tel que toi. Utilise ces tornades quand tu voudras traverser les mers à la vitesse du vent. Allez, moi, je rentre à la maison, un de ces jours. Eh, c'est ça, rigole bien. Je te... Oula! Requin en vue! Requin en vue! Bah voilà, c'est fait. Ouh, est-ce que notre marchand serait là-bas? Est-ce que notre marchand serait là-bas? Ah, il n'est pas là. Il n'est pas là, notre marchand. Par contre, il y a des corbeaux. Hop là. Bah tiens. Tant que ce poisson est là, on va en profiter. Parce que j'en ai vraiment besoin de compléter cette motherfucking carte. Hop là. Hop là. Où est-ce que t'étais là? Alors. En tout cas les gens, voilà, bon. On en aura fini avec cet épisode. Je vous laisse bien sûr sur la carte qui se complète. Et sur ce, je n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous faire plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine, bonne continuation. Allez, bye, au rendez-vous. Et rendez-vous au prochain épisode qui sera un épisode quête annexe. Ciao le monde.